tena metapa kupanga pesa vanti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pour la montre? Le père, c'est pas qu'est-ce que c'est? Je vois. Donc, si elle était comme moi, j'ai sorti l'arrière de mes poches pour préparer mon pied. Je sens pas, maman. Je sens, mais quand je vais. Peut-être quand peut-être la langue qui l'a donné ne suffit pas pour préparer ce que je veux. Je sens. Ok. Regarde ce que ta fille fait. Elle regarde. Regarde, observe. Bah, elle préfère dans sa plus de goût quand c'est dans sa main. Ok, d'accord, on a compris. Bon, si je veux ça, si je veux, donc, si je comprends bien, je contribue à rien dans le monde. La fille a appuyé sur déranger 10 ans. Attends, bon, ça va alors, ça va. Je reformule ma question. Donc, pour toi, une femme ne doit pas contribuer à toi qui prends la maison. Ou alors, c'est bien sûr. Bien, non, tu dois contribuer. Tu dois contribuer, moi. Je reformule. Est-ce que pour toi, tu penses, en tant que femme mariée, tu penses que c'est obligatoire qu'une femme doit contribuer aux charges de la maison? Une femme doit-elle obligatoirement contribuer aux charges de la maison? Non, c'est. D'après moi, c'est pas obligé. Pourquoi? Elisa! Tu es obligée pour quoi? Alvin! Fais un peu moins de bruit, mon bébé. Tout c'est question de volonté. Tu comprends un peu? Tout c'est question de volonté. Il y a des femmes qui trouvent que c'est pas normal qu'eux contribuent pour les dépenses de la maison. Mais si tu sais que ton mari est dans les difficultés et que tu peux l'aider, pourquoi ne pas l'aider? Si tu trouves un peu qu'il est connu, c'est là. Si tu te dis que chérie, je suis un peu connu, c'est là, c'est une chose. S'il te plaît, aide-moi un peu. Tu m'as acheté une ligne, voilà, il y a la ration, mais comme tu dis qu'il n'y a pas de ligne, si tu as même 100 francs ou même 500 de côté, achète des trucs que tu peux acheter avec. Est-ce que c'est mauvais? On n'est pas mauvais, mais tu sais qu'il y a les gars qui disent que ma gars, tu es ma go, elle ne peut pas sortir avec une go qui ne continue pas, donc pour eux c'est obligé. Pour toi, tu parles de manière volontiers, ça veut dire pour la fille, ça doit être une volonté. Mais est-ce que si l'homme l'impose, tu trouves que c'est normal que. C'est obligé que la femme doit. Non. C'est pas une obligation. Okay. Pas une obligation. Après moi, c'est pas une obligation. Le capote, si maintenant le père entre le soir, il dit che, le message, il y a que tu dois participer au chat de la maison. Comment prendrais-tu ça? Déjà, pour commencer, je peux déjà dire qu'il ne peut pas me dire ça. Parce que mon frère, tu as raison. Non! Je ne sors pas là-bas pour travailler. Mmh. Il va là-bas me dire ça qu'il va prendre l'argent. C'est pour m'envoyer trouver un show. Si c'est pour m'envoyer trouver un show, là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que s'il m'envoie trouver le show là-bas dehors, il est sûr que si le show là prend bien, il va encore revenir vers lui. C'est aussi ça. Qui voilà. Se pose d'abord cette question-là? Mmh. Mais comment? Prenons le cas des femmes qui travaillent, tu vois, une femme qui travaille. Son mari dit que, chérie, j'aimerais que tu participes au chat, j'ai un refus. Selon toi, est-ce que tu trouves que c'est normal? Bon, là maintenant. Un refus de participer au chat. Ça dépend, tu vois. Si toi tu travailles, et que ton mari vient te dire que, ouais, chérie, le mois-ci là, c'est un peu fort sur moi. Comme le loyer c'est 50 000 là, mais voilà ça j'ai 40 000, complète-moi 10 000. C'est une doléance qui te paye, il te demande. Qu'est-ce que tu fais moins de vous là? Mais s'il fait ça de façon permanente, donc il veut que tu continues. Si il fait ça de façon permanente, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça, mais s'il vient te demander, laisse Gabriel, laisse-le. Si il vient te demander, mais pourquoi ne pas l'aider? Puisque ton salaire, ce n'est que ton salaire à toi, tu fais de ça ce que tu veux. Il ne vient jamais te dire, ma, tu as fait quoi avec l'argent là? Et voilà. D'autres femmes, même, une comme moi par exemple, si c'est moi, il aura même les trucs qu'il va faire à la maison, même sans même demander à mon mari. Il aura les trucs, il va même rester là. Il rentre même, je vais même acheter une deuxième bouteille à gaz si je le veux.
peu bien. Si je vois que bon, avec une bouteille à gaz, on ne s'en sort pas trop, je peux acheter une deuxième bouteille. C'est à ça que doit servir le salaire d'une femme. Improviser. Voilà. Ne pas tout demander à voilà, son mari. Tu as bien dit, tu as bien dit sur le thème. Improviser. Dis parce que tu sais qu'il y a certaines femmes, elles travaillent. Mais elles travaillent, elles ne veulent pas sortir son 5 francs. On dit que le gaz est fini à la maison, elle a pêché, le gaz est fini alors qu'elle elle a le salaire. C'est voilà. Des petits trucs comme ça que normalement, moi, je pense qu'une femme devrait faire. Si tu travailles, le gaz ne doit pas manquer à la maison. Le canal, ça ne doit pas manquer à la maison, tu vois. Donc tu dois payer le canal. Des petits trucs comme ça, non. Mais tu n'as pas besoin de forcément demander à l'homme. Si tu n'as pas besoin de contribuer, ne sors pas travailler. Oui, si tu veux pas, oui. Reste à la maison. Là, maintenant, il sait que tout c'est pour lui. Si tu ne sors pas, une comme moi, tout ce que je demande, mon mari se doit de me donner. Tu as la maison. Parce que je ne sors pas. Mais si il arrive demain là que je parviens à sortir, il va le truc qui va faire ça lui demander. Donc, tu vas contribuer si tu sors. Donc, dès lors que tu as des rendez-vous d'argent, tu vas directement contribuer. Pourquoi pas? Et, par exemple, si peut-être ton mari te dit, par exemple, que dorénavant c'est toi qui paies le loyer, tu vas prendre ça. Ça dépend maintenant dans quel contexte il vient me dire que dorénavant c'est toi qui fais le loyer. Parce qu'il ne veut pas se lever un bon matin pour me dire dorénavant c'est toi qui fais le loyer. Puis j'accepte à lui que oui je vais payer le loyer. Parce que tu as dit pourquoi. C'est ça que je connais un couple où c'est la femme qui fait le loyer. Dès le départ, c'est l'homme qui va prendre. Il a lui dit qu'il partage les charges, mais que c'est la femme qui a payé le loyer. Genre. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est elle qui doit payer le loyer? Maman, il ne travaille pas. Il n'a pas pensé à une raison. Maman, oh! Il a demandé que. Ils ont dit les deux travaillent. Il a clairement fait comprendre. Non? En fait, il a fait en sorte que ce loyer ce soit la charge de la femme, plutôt que de ses mamans. Ce soit, il ait donné la charge du loyer à la femme, les autres charges, peut-être la ration et tout, c'est lui. Il faut faire ça normal. Selon toi, quelles sont les charges des filles, quelles sont les charges de filles? Si tu veux vraiment donner une charge à ta femme, c'est pas le loyer que tu as eu de manière de donner. C'est comme tu peux. Quand tu donnes la charge du loyer, c'est comme tu dis en train de dire que ça y est, demain c'est toi qui vas acheter le terrain et qu'on va habiter. C'est pas fou. La charge, tu peux par exemple donner à ta femme quand vous sortez vous deux. Et en dessous vêtements de ton mari. Que l'autre là, non, quand tu sors ou pas, tu dois te rassurer qu'il ne manque pas de sous-vêtements. C'est que si tu occupes un peu sur le rang du marché, il y a ses vêtements. Il y a les ustensiles de cuisine. Tu vas venir dire à ton mari que, ben, comme tu vois, tous les plats sont cassés, donne-moi l'argent. Lui-même, il doit voir dans ses mains un jour que non, tu le sais dans un nouveau plat. Il y a les verres, il y a ses vêtements à lui, tes vêtements à toi, les vêtements des enfants. Déjà, je trouve que si tu contribues déjà dans ce sens-là, c'est déjà un bon début. Et il y a aussi une contribution que la femme fait. Je ne sais pas si les hommes parviennent à voir ça. Dans chaque maison, dans chaque relation, côté nourriture, il y a toujours et toujours une somme d'argent que l'homme donne. L'homme peut par exemple dire, moi je te rationne 2000 dans la journée. Et il faut absolument qu'il rentre trouver de quoi manger. La femme contribue dans ce sens-là comment? Quand par exemple tu lui donnes 2000 et que tu entres trouver le poulet dans la marmite, ben, généralement, quand tu rationnes, moi par exemple je ne peux pas pour deux jours. Comme je ne peux pas aujourd'hui, demain je ne peux pas. Donc, quand je dis que la femme contribue côté nourriture, elle peut utiliser la de ration que tu donnes. Aujourd'hui, elle dit que bon, je suis le spaghetti, elle achète un sachet de spaghetti, c'est 400. Elle achète la tomate de 100 francs. Elle a quelques petits condiments à la maison. Elle fait avec, elle ne peut pas vivre. Et puis, vous mangez pour aujourd'hui. Le reste, elle garde ça. Demain, tu rentres trouver le poulet dans la marmite. Je demande comment elle a fait. Alors que ce n'est qu'une question de calcul mathématique et tout. Exactement. Comment elle a fait un schéma? Il y en a d'autres là. Tu peux. Comme nous sommes en train de rentrer ce poulet. Une femme peut dire que bon chéri, comme c'est la rentrée scolaire là, tu dois aussi contribuer pour l'éducation des enfants. Parce que chez nous, les Bamilékés,
On dit l'enfant de l'enfant de la femme. Oui, d'abord, c'est moi l'enfant. Ce n'est pas l'enfant. Oui, donc, si ton enfant est zéro demain, ça te regarde d'abord toi, la femme. Mm-hmm. Quand je dis qu'on se fait pour l'éducation des enfants, ça veut dire quoi? Quand ton enfant doit aller à l'école, voici ton moins que tu es un cahier dans le sac là, que c'est ton argent qui a acheté, que tu as au moins une paire de chaussures. Là, la pension de l'enfant, si la pension de l'enfant c'est 25 000, qui est ta part dedans? 5 000. Là, demain, parce qu'il y a les hommes qui sont capables de dire j'ai sacrifié pour mes enfants, mais c'est toi qui bénéficies. C'est toi qui gagne beaucoup de choses derrière les enfants. Que j'ai mis ma part dedans. Oui. Là, au moins, quand il m'a dit ça, tu vas dire que non, là, laisse ça, que ça, tu vas. Quand tu t'appelles que quand André a fait la première là-bas, sa pension était 150 000, moi j'ai mis ma part dedans 25 000, tu te rappelles pas, c'était toi qui m'avais donné. Donc, moi je trouve que vous n'allez pas faire le 50-50. Mais tu dois compter. C'est très important. Tu dois compter. C'est normal que tu comptes. Lève-toi. Bon. Et quoi? Tu n'as peut-être pas continué sur la nourriture. Tu sais que demain, tu vas continuer. Tu l'as cuit, tu vas continuer. Non, le cuit, je suis équipé. Le cuit, je suis équipé. Comme il y a le foudre, il y a mon cuit, il y a mes fondements. Dans le village. Tu sais que demain, tu ne vas pas faire comme d'autres femmes qui me tuent. Tu vas prendre le machin pour chez toi. Non! Il va donner comme une autre fois. Il va donner comme une autre fois. C'est ça qu'il était en train de dire cela que. J'ai déjà d'autres choses à la maison pour faire le cuit. Mais est-ce que j'ai le poulet qui va faire manger? J'avais demain. Non, tu complètes le pain. Je complète le pain, mon poulet avec. Et puis demain, il fait manger. J'avais demain. C'est ça. Voilà. Parce que tout a été dit. Tout a été dit de ton côté. Tu m'as posé des questions. Je t'ai posé une question. Je suis mariée. Tu n'es pas mariée. Donc tu n'as pas de chaud là-bas d'ailleurs. Ah, dis donc, tu n'as pas de chaud. Tu voulais. Bon, ok, tu voulais. Moi, j'ai posé la question pour les gens qui vivent ensemble. Bon. Ce que je veux dire, quand nous allons allumer notre caméra. Ensemble, on va demander à la famille. La famille, dites-nous. De quoi on parle sans vous gérer. Vraiment. Mais au stade, cela, on a besoin de vos amis. Qui parmi vous aimerait bien savoir si le tien est un gars ou pas? Parce que moi, la personne, je veux savoir. C'est une nouvelle relation, on vient juste se connaître. Je ne connais vraiment pas tout d'elle. Mais si on doit faire l'offre ensemble, il faut que je puisse garder mon porte-monnaie à elle sans trop avoir peur. Et qu'elle puisse garder son porte-monnaie à moi sans trop avoir peur. Mais je suppose que les filles me connaissent assez. Ouais. Elle me maîtrise quand même bien. Mais par contre, moi, je ne maîtrise pas encore bien. Mais je lui donne entièrement confiance. Donc, comme elle ne veut pas nous dire ça ici, là, sur notre chaîne, Marie, c'est plus loin, ceci là. Elle va sauf qu'on nous dit ça sur la chaîne Lady. Allons d'abord nous abonner là-bas. Allons nous abonner là-bas. Et puis on lui demande qu'elle nous dise. Si elle a un gars ou pas, parce que si elle n'a pas de gars, mais maman, si vous avez vos fils ou mes frères là qui me regardent, c'est parce qu'il y a les hommes qui nous regardent. C'est qu'elle a un cœur à prendre, si elle n'a pas de gars, qu'elle nous dise une fois. Et si son gars nous regarde, papa, il demande les insultes parce que ta femme ne veut pas me dire. Ta copine ne veut pas me dire. Hein? Si elle est prise, papa, excuse-nous. Mais si elle ne veut pas nous dire là, on va aller sionner là-bas sur sa chaîne. Alors seulement nous abonner, parce qu'on ne sait jamais. Un jour là, elle peut mettre une vidéo concernant ce sujet-là. Ou bien? C'est ça. Ok. C'est la question que moi aussi je pose à l'été. Mais elle a dit qu'elle aimerait bien aborder ce sujet-là plus sur sa page. C'est ça. Donc, on va aller lui questionner plutôt là-bas. Alors seulement nous abonner et puis on attend. Pour ceux qui nous regardent, la famille considère. Ceux qui nous regardent, ils sont en train de manger au même moment que nous. Voilà, petit à vous. André est venu me faire manger avec sa fille, sa soeur est partie. Vous avez vu le cinéma que votre fille a tourné ici. Je suis en train de manger. Nanga se permet de manger elle seule avec les mômes. Ou elle a même bien mangé, je ne sais pas. André a bien pris. Salut.